Et ça a été construit avec une visée bien particulière, parce qu'ils savaient qu'il y aurait en 67 l'Expo, 4 ans après. Il y avait deux choses qui tenaient à voir construites, la Place des Arts et le métro. Et puis, les deux se sont construites à peu près en même temps. Et ça a été, pour moi, le moment où on a eu enfin une salle où on pouvait entendre ou de la musique, ou opéra, ou concert, là, où... So, I like the piece, and like when the people come to see with the family, it is for them an event. And when I mention educative, for me, is a very important factor, because when the family comes with the kids are getting the good impression and taste of what is a dance, what is a ballet. Et il y avait des chanteurs, des chanteuses, des numéros de comédie, il y avait de tout, des magiciens, des numéros de variété. Et le lendemain, dans la presse, c'était comme un sacrilège qu'on avait fait. C'était marqué « Beethoven, Mozart, ôtez-vous, nous voulons ». La Place des Arts et la Salle Alfred Pelletier, précisément, est arrivée pile pour l'exposition universelle. Et à l'exposition universelle, c'était, je crois, une des expositions universelles où il y a eu le plus de manifestations d'art vocal. Alors, il y avait tous les théâtres du monde qui sont venus, la plupart des théâtres du monde. Pour moi, la Place des Arts, c'est l'âme de la ville. C'est l'endroit où les gens qui aiment l'esprit, qui aiment la beauté, se réunissent et s'y réfugient. On est en osmose ensemble, on vibre aux mêmes choses. Et c'est ça qui est extraordinaire et merveilleux, la Place des Arts. The audiences come here and give energy to the performers, and the performers respond by giving the best they can. And this is very, very, very unique. It is the passion of Quebec. It is the talent that is here. It is the beauty and it is the love. In French, you say, je vais assister au spectacle. In English, we have no equivalent, but the audience is implied in the performance. Je pense que c'est une salle qui est juste destinée à certaines sortes d'artistes. Il faut que tu sois un conteur. Donc, c'est une excellente salle pour raconter des histoires. Ce que je fais, les balcons, toute cette salle rouge, on se croirait presque en Russie. C'est beau, tu sais, je trouve ça magique. Puis à chaque fois que je monte là, bien, j'ai vraiment l'impression que je chante dans ma cour, là. Et puis, beaucoup de gens sont venus à la Place des Arts pour la première fois voir les spectacles qu'on présentait. Puis, tu sais, après, c'est devenu naturel. Tu sais, Deschamps a fait 3 mois. Maintenant, tout le monde vient à la Place des Arts. Mais c'était pas ça dans l'esprit des gens au départ, tu sais. Alors, tu sais, au fil des années, tu sais, 6 millions de spectateurs, ben c'est pas rien, tu sais. C'est du monde. Pour moi, la Place des Arts, c'est une belle femme, une demoiselle qui nous offre des beaux spectacles, des beaux souvenirs, et c'est l'amour de l'art. Le plus beau trophée que j'ai jamais eu, c'est que j'ai joué tellement souvent au Théâtre Maisonneuve que j'ai laissé mes traces de pied dans le plancher. Et c'était tellement... Comment je dirais ça? C'était spécial parce que les techniciens, quand d'autres venaient travailler à Maisonneuve, s'ils voulaient se placer exactement où je me plaçais, moi, là, les techniciens disaient, ben non, vous pouvez pas regarder. C'est la place à Yvon. On voit ses pieds par terre. C'est bon, hein? Et Montréal, on voit une mixité. Je ne sais pas si à cause de l'été, de l'hiver qui est tellement rigoureux et que l'été arrive, tout le monde sort, on est obligé d'être dehors, mais je dois dire que
que ce qui fait la différence avec la Place des Arts de Montréal, c'est vraiment le paysage humain. Il est varié, il est sensible, il s'habille de toutes les manières possibles et il est définitivement vivant. Un dynamisme incontestable et ça brasse des énergies artistiques de façon très profitable pour tout le monde. Le fait d'avoir une place qui nous... qui fait que pour aller voir de l'humour durant une certaine période, de la chanson francophone durant une autre période, de la danse durant une autre période dans l'année, d'avoir tous ces médiums-là qui sont présentés dans le même espace, ça finit par créer une espèce d'énergie quand même vivante et les gens finissent par avoir le réflexe de passer par ce quartier-là. Et ça, c'est très bien. Orchestre symphonique qui joue je ne sais plus quelle œuvre. Et je suis très étonnée, je suis dans un balcon très haut, très loin, l'orchestre est là. Je suis très étonnée qu'il n'y ait rien à voir, alors je me ferme les yeux. Et puis là, je me suis mis à voir des masses jaunes qui couraient après des points bleus, des triangles verts qui tombaient en chute pour écraser le jaune, un rouge qui surgit en faisant un champignon, des traits noirs qui apparaissent. Il y avait des moments comme ça, sans arrêt. J'avais qu'à fermer les yeux, puis la musique se transformait tout de suite. Je pense que ce sont les artistes qui doivent mener la parade. C'est eux qui font les spectacles, qui les fabriquent, qui les pensent. Et je pense que le rôle de la Place des Arts, c'est de les accompagner et de les suivre dans leur démarche et dans leurs propositions. Aussi folle soit-elle. Une magnifique transformation du musée. On va doubler les salles d'exposition pour pouvoir présenter beaucoup plus de la collection elle-même, mais aussi d'autres propositions d'exposition temporaires de l'art qui se fait ici et ailleurs, bien sûr. Parce que le musée a été fondé pour promouvoir et acquérir et conserver l'art contemporain québécois, mais aussi assurer, bien sûr, une présence internationale dans la collection et dans les expositions. Donc, on va faire un peu des deux, des artistes québécois et leurs homologues internationaux. C'est une salle qui est idéale pour l'humour. Je pense à Place des Arts, c'est ma salle préférée pour faire du stand-up. In terms of the shape of the room, the way the ceiling's made, and the proximity of all the fans sitting there, it definitely gives way to great comedic moments because you know laughter's contagious, and when you have everybody sitting together, it definitely makes for a better show. Pour faire vivre un lieu comme ça, ça prend le public qui vient, qui encourage les artistes, les artisans qui font ce métier-là. Et c'est comme ça qu'un lieu peut vivre et évoluer. Et c'est comme un poumon, finalement. Il faut alimenter l'air, donner de l'air aux poumons pour que les poumons puissent respirer. Donc, c'est un peu la même chose. Le public doit venir encourager les artistes. À ce moment-là, quand j'ai eu fini, la moitié de la salle, sinon plus que ça, pleurait comme moi. Mais le premier violon que je devais remercier pour que lui puisse faire lever tous les musiciens est arrivé avec son violon dans les mains, son archet, et lui aussi était rempli d'émotions. Il m'a pris dans ses bras, il me serrait fort, fort. Puis on était tellement heureux, puis la salle, c'est vraiment une ovation. The concert with Oscar Peterson, for sure, was probably the highlight. And we both spoke of it, the opportunity to work together, but to do it at home and at Place des Arts was something really special for both of us. And I was so surprised how moved and touched Oscar was
Je trouve que la Place des Arts est un centre névralgique. Ça fait partie du quartier des spectacles. Et j'espère que dans le futur, on permettra plus d'ouverture encore sur la danse, plus de collaboration, peut-être plus de coproduction. Vraiment, si vous examinez tous ces concepts, tous ces concerts-là, c'est une ouverture complète de genre. J'ai touché à tout, finalement. Le classique avec le jazz big band, le trio, la formule plus intimiste. Alors, je pense que c'est un endroit où on peut s'éclater, on peut présenter. Il n'y a pas de limite, quoi. Ce qu'on peut souhaiter à la Place des Arts, c'est que l'avenir soit aussi fécond qu'il l'a été depuis 50 ans. Les artistes, les employés, les impresarios, les producteurs, les compagnies résidentes, les festivals, le public, les gens ont fait de la Place des Arts ce qu'elle est aujourd'hui, un formidable lieu de rencontre, d'émotion, de création. Et je pense que les gens vont être au rendez-vous pour qu'elle se renouvelle au cours des prochaines années et que peut-être dans 100 ans, on dise « Wow, il s'en est passé des choses à la Place des Arts », un peu comme on dit aujourd'hui. Il faut jouer en œuvre au niveau tellement supérieur que si le public vient, leur vie va être changée. Après qu'ils quittent la performance, ils amènent quelque chose dedans qui est différent. Ils amènent avec eux une perspective différente. Ils ont entendu quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu avant. Quelque part, leur vie est changée à cause de cette performance. C'est ça ce que je souhaite et j'imagine pour les prochains 50 ans.